like you can never be ready. Tu ne peux jamais être prête. Et pour celles-là qui ont perdu l'un des parents, pour celles-là qui souffrent d'une séparation douloureuse, peut-être tu as perdu ton enfant, peut-être tu as perdu ta soeur, ton frère, ta... Je ne sais pas qui, mais pour celles-là qui ont perdu, même une amie, même quelqu'un que tu aimais bien, même a friendship, une véritable première dame look, moi c'est Adrienne, a.k.a. la star à papa, a.k.a. Adrienne, première dame. Voilà, dans cette vidéo, je sais que ça fait un bail où on ne s'est pas vu. YouTube, ça fait énormément, beaucoup de mois, beaucoup de temps sont passés. Où est partie Adrienne, la première dame? Merci d'abord, je vais commencer cette vidéo par vous remercier. Nombreuses, abonnées, subscribers, mes amoureuses de YouTube. Parce que, ça fait longtemps que je suis partie. Vous m'avez manqué énormément. Vous savez, j'ai reçu tous vos messages. Il faut dire même que j'ai continué à recevoir vos messages. Adrienne, qu'est-ce qui ne va pas? Adrienne, est-ce que ça va? Adrienne, et tout. J'avais quand même pris une petite pause. Hein, parce que YouTube demande beaucoup de travail. Je sais que vous, à la maison, peut-être vous ne savez pas le côté de YouTube. C'est que ça nous demande, nous, les YouTubeurs, c'est que nous devons faire... Pour vous produire une vidéo comme celle-ci, ça peut me prendre même 5 à 6 heures du temps pour justement vous faire une vidéo de 15 minutes. Ça prend énormément du temps. Voilà. Et aussi, mon absence sur YouTube, vers la fin de l'année 2020, je connais beaucoup de problèmes dans ma vie et tout, dans la famille. Vous savez... C'est quand même difficile, quoi, de venir devant la caméra, vous parler comme si tout allait bien, mais au fond de toi, tu sais que tu es brisé, en fait. Au fond de toi, tu pleures. Tu n'es pas dans une good mental health, je ne sais pas comment dire ça. Tu n'es pas dans une très bonne position de te mettre juste devant la caméra et t'exprimer devant beaucoup de monde, hein, devant beaucoup de divers abonnés qui me suivent sur YouTube. Si ça ne va pas à l'intérieur, je n'aime pas me mettre devant la caméra. J'aime lorsque j'allume ma caméra que je puisse être quand même à la hauteur de mes émotions, de mes sentiments, de tout ce qui se passe dans ma famille et tout et tout. Voilà, je sais que les pranks vous ont manqué, les vidéos quotidiennes, les vidéos de la famille. Je ne pouvais pas vous faire des vidéos tant que dans ma famille, dans ma vie personnelle, ça n'allait pas. Mon père était malade. Je sais que vous ne savez pas tellement du côté de ma famille, je ne parle pas trop. Il a souffert pendant plusieurs années et particulièrement l'année 2020, c'était une année très très difficile. Pour lui et pour le reste de la famille, en particulier moi et tout, voir comment quelqu'un de cher, comment quelqu'un que vous aimez bien, comment quelqu'un qui a toujours été là toute sa vie pour toi est en train de souffrir, est en train de decline, as is going downhill, et tu es là, impossible de faire quelque chose, et tu es là à recevoir des appels, si vous voulez, des appels qui n'apportent pas, des téléphones, les bad news, on t'appelle, écoute, ceci, cela, tu le reçois, tu as ta famille, tu as les enfants, tu as le travail, tu as ta vie privée. It just became too much pour moi, pour ma mère. Et faut d'abord signaler que j'étais aussi partie au Congo en 2020. Justement pour accompagner ma maman. Elle n'était pas bien. Elle avait encore perdu son frère. Voyager elle-même, it was difficult. Je suis partie l'accompagner sachant que mon père aussi n'allait pas bien. On est retourné ici au mois de septembre. It was just going from worse, from bad to worse. Ça, la situation s'est dégradée trop vite, trop vite. Et à la fin, j'ai perdu mon papa au mois de janvier. C'était une... Je ne vais même pas en parler trop parce que je ne vais pas penser tout et tout. Mais bref, c'était juste suite à la disparition de mon père que je suis partie d'autres trucs, vie privée, tout et tout.
I don't know. C'est un feeling que tu ne peux pas imaginer en fait, tu vois. C'est un feeling, peut-être les gens te diront mes condoléances, porte-toi bien, les gens te souhaitent de bonnes choses. Mais au fond du toi, you're just broken. You don't know how to feel. Tu ne sais même pas comment te sentir. Tu ne sais pas, like, quelque chose qui est juste sorti. Comme j'avais même dit, la personne qui a toujours été là, toute sa vie, l'a dédié toute sa vie pour toi. Et l'idée qu'il n'est pas là, qu'il ne sera pas là, ou soit tu ne vas pas le voir, ouf, it's just hard. Je suis en train, I'm still dealing with it, je suis en train de passer de moments forts, mais je me suis dit quand même, je vais m'exprimer aujourd'hui, retourner sur YouTube, les activités de YouTube, parce que c'est son souhait, il avait dit, une fois qu'il ne sera pas là, qu'on puisse juste continuer notre vie, comme si tout allait bien et tout et tout. Et voilà, c'est vraiment dur. Et je suis quand même grateful, je suis vraiment reconnaissante d'avoir des amis. Alors lorsque j'ai dit des amis, des vrais amis qui sont là, certains d'eux ont passé sur cette expérience. Vous voyez, ils sont en train de me communiquer, ils sont en train de me dire comment, qu'est-ce qui les a aidés pour enfin sortir de cette situation. Pour enfin vivre, revivre, retrouver le sourire. Et tout et tous mes amis, vraiment, c'est pourquoi dans la vie il faut avoir des vraies personnes à côté de vous, des personnes qui seront là pour vous lorsque vous êtes dans le moment le plus sombre. On a toujours besoin d'une personne et je suis vraiment reconnaissante d'avoir ces gens de personnes à côté de moi, mon mari, ma famille, mes amis, et just great, mes enfants. Et tout et tout. Et peut-être pour vous, c'est juste, ah, pourquoi tu ne filmes pas? Faire des vidéos YouTube, ça prend du temps, c'est de l'énergie, c'est beaucoup en fait. Voilà, j'avais un programme chargé dans ma tête. Je savais qu'on allait faire ceci, cela, cela. Mais comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Et c'était quand même ce qui s'est passé. Voilà la raison pour laquelle I was just quiet. Ok, j'étais vraiment silencieuse sur YouTube. Si je ne suis pas sur YouTube, vous pouvez me trouver sur Instagram. Parce qu'Instagram, c'est vite. Tu peux prendre une photo, tu postes une photo et tout et tout. Voilà un peu ce qui s'est passé, ce qui s'est passé en fait. Je vous avais vu juste les vidéos des funérailles sur YouTube. Peut-être beaucoup d'entre vous ont posé beaucoup de questions. Je reçois des milliers, beaucoup de notifications le jour. Des fois, c'est trop difficile pour moi de vous répondre. Parce que je me dis, si je vous réponds, par exemple, je regarde, j'ai 33 000 notifications de YouTube. 2000, j'ai beaucoup de notifications. Après, si tu essayes de répondre à tout le monde, ça veut dire que tu ne vas pas déposer les enfants à l'école. Évariste ne va pas manger. Tu ne vas pas aller au travail. Tu ne vas pas ramener maman au rendez-vous à l'hôpital. Tu ne vas pas l'aider au téléphone. It's just too much. J'essaye de répondre au the most. J'essaye de répondre le plus que je peux. Je voulais juste vous donner un brief. Very brief. Je voulais juste quand même être bref. Vous expliquer ce qui s'est passé, bien ce qui, you know, what was going on with me. But now that I'm finding myself, maintenant que j'essaie encore de retourner dans la vie avec l'idée que mon papa n'est pas là, je tiens d'ailleurs à vous signaler que mon papa était aussi un de mes abonnés numéro 1. Il regardait mes vidéos, il mettait le commentaire et tout et tout. Et aujourd'hui qu'il n'est pas là, I guess la vie continue. Et voilà en fait quoi. Un long silence, une pause. Des fois dans la vie, il faut reculer pour mieux avancer. Et pour moi, le recul, c'était juste de concentrer d'abord sur moi, concentrer sur ma santé, concentrer sur ma famille et puis les travails que j'ai fait aussi en dehors de YouTube. Vous voyez, c'est quand même bizarre lorsque tu atteins tes 20 ans, tes 30 ans. Je suis la cadette des 10 personnes. Je suis la 10e de ma famille. Une grande famille, voilà. Tu te dis qu'il y a un jour peut-être, l'un de mes parents ne sera pas là.
un jour je serai là seule au monde, un jour, ce genre de pensée, sûrement ça t'a déjà traversé la tête. Sûrement tu as déjà une de tes copines, ton amie, tu as vu sur Facebook quelqu'un qui pleure son papa, qui pleure sa maman, tu dis oh sorry. Et tu t'es dit aussi à la tête, parce qu'on sait que la mort existe, right? Tu t'es dit dans ta tête que un jour, peut-être ce sera aussi moi. Et tu te dis, ah ouais, ben dans mon cas, comme je vous ai dit, mon papa était malade. Voilà. Je savais qu'un jour, quelque chose de pareil pouvait arriver. Et je commençais même à prier, peut-être lorsque ça va arriver. I just want to be ready. Je veux seulement être prête à l'accepter avec le... Vous savez, ici en Europe, hein, les médecins, lorsqu'ils vous appellent, ils vous donnent de news. On vous cajole pas, on vous dit, I'm calling this, regardez, ça ne va pas, ceci, c'est là. Et tu te dis, peut-être tu vas accepter. Et tu te dis, ouais, le jour peut-être que j'aurai de bad news, la mauvaise nouvelle et tout. Tu ne peux jamais, jamais imaginer ce qui va se passer en toi. Tant qu'il n'y en a pas encore, tu te dis, oh, peut-être je suis prêt. Je me dis, ah, je vois mon père qui souffre comme ça. Je tiens à signaler, mon papa avait été dans des 80 ans déjà. Tu vois que la personne souffre, tu te dis, peut-être s'il part même, il sera en paix. Il va se reposer enfin, les repos total, il va partir au paradis et tout. Mais après... Lorsque c'est arrivé, tu te dis, hein, c'est comme ça, j'ai pensé que j'étais strong, j'ai pensé que j'étais forte, j'ai pensé que je pouvais accepter ça, j'ai pensé X, j'ai pensé Y, tu ne peux jamais, jamais, ça c'était moi dans ma tête, j'ai pensé, tu ne peux jamais te préparer, jamais te dire que oui, si ça arrive et tout, parce que tu ne sais pas. Le jour là, le jour où on m'a annoncé, j'étais dans ces salons même, que oui, et Adrienne, malheureusement, papa n'est plus là. Il y a une partie de moi, oh God, une partie de moi, je ne sais pas expliquer, hein, mais je veux juste vous faire voir ce que ça ressent en fait. Je suis restée, j'ai pissé, je ne savais pas, j'ai tremblé. Tout mon corps commençait à trembler. Vous voyez? Et je me dis, oh my God. I felt like, j'ai senti comme si le monde me guillotinait les maquis à cet instant. Le monde s'est arrêté pendant les 10 minutes qui suivaient de news. N'en m'en pas, le monde s'est écroulé. J'ai vu les temps s'arrêter. Après, je me suis dit, waouh, papa n'est pas là. Adrienne, dépêche-toi parce que tu dois aller, arrive là où maman est, parce que aussi, maman aussi, elle est aussi âgée. Fais quelque chose, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire et tout. Like you can never be ready. Tu ne peux jamais être prête. Et pour ceux-là qui ont perdu l'un des parents, pour ceux-là qui souffrent d'une... séparation douloureuse, peut-être tu as perdu ton enfant, peut-être tu as perdu ta soeur, ton frère, je sais pas qui, mais pour ceux-là qui ont perdu, même une amie, même quelqu'un que tu aimais bien, même a friendship, camarade Bokozolinga, Bokabwananae Bienté, toute séparation d'une personne qu'on avait tant aimée, ça cause le douleur. Et the beauty of it, la meilleure des choses, c'est comment est-ce que tu, how you embrace it, comment est-ce que tu acceptes ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment est-ce que you just move forward? Les gens me disent, Adrienne, ça va passer. Adrienne, tu vas. But every day, chaque jour, je me réveille. Il y a juste, je sens comme s'il y a un vide. Et je me dis, avec ce vide, ce serait moi. Toute ma vie, je dois continuer à vivre ainsi. Vous savez, on est là, on partage la joie. Lorsque ça va mieux, on partage, on rigole. Et lorsque ça pleure, on pleure aussi. Merci pour ceux-là qui ont pleuré avec moi.
Merci pour ceux-là qui ont prié pour moi, qui m'ont laissé dans la prière. Et merci aussi pour ceux-là qui du jour au lendemain m'écrivent. Tu es ma youtubeuse préférée, tu es ma youtubeuse préférée, tu as disparu, YouTube est devenu boring. Vous savez, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Je ne pensais pas que j'allais être dans cette position en ce moment même, assis ici, vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà un peu ce que je vais dire. On va continuer avec nos programmes. J'ai beaucoup dans mon assiette. Mon assiette est trop full. J'ai beaucoup à vous proposer ces derniers temps. Donc, c'est pourquoi je vais dire, n'ayez raté aucune vidéo, mettez la notification. Comme ça, lorsqu'on sera des retours full, déjà il y a des vidéos qui vont arriver bientôt. Ma vidéo à Skizuzunga, première dame look is back. She's good, she's big, she's better. Et tout. Et maintenant que mon papa n'est pas là, soon I wish il est là. He's just watching over me. Il est en train de regarder tout ce que je vais faire et tout et tout. Et I just, you know, voilà. Je vais même plus en parler trop, sinon il y a de l'émotion. Vous comprenez? It's new. It's something. I'm just still dealing with it. Peut-être vous allez me voir perruque, make-up et tout, vous dites que ça va au fond de moi. Il y a cette partie-là qui, de fois, peut-être, je ne crois même pas que peut-être que mon papa n'est pas là, en fait, mais avec les temps et tout, voilà. Yeah! So, il y a beaucoup qui se passe sur YouTube. Bien sûr, sur Instagram, les gens m'ont dit, Adrien, lorsque tu es partie, regarde ce qui s'est passé, regarde. I hope we're gonna catch up. I hope we're gonna... go, you know, we will bring back the vibe. On va ramener ces vibes là. Je sais que pour mes fidèles abonnés, I know you guys miss me. Bon, manquez un à peine à manquer, bino. Non, voyez la nouvelle contenu que vous aimez et tout, surtout mettez la notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. C'était bel et bien Adrienne et qui est la star à papa et qui est première dame. Merci d'avoir suivi. À très bientôt. Bye bye.